Yahoo et dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1. Et comme tu peux le voir, on a 4 titres pour cette vidéo. Donc si la suite t'intéresse, continue. Dans cette vidéo, on va parler... Alors, je pense que ce sera dans cet ordre-là. On va d'abord parler de 3 Yakuza pour une otaku, qui est un shoujo des éditions Soleil. Donc je te parle de mon avis sur le tome 1. Je te parlerai aussi de mon avis sur le tome 1 de Insomniac des éditions Soleil dans leur collection Seinen. Et à savoir que c'est fait par l'auteur qui a écrit La fille du temple au chat, que je t'ai déjà présenté techniquement cette année, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a L'Empereur du Japon, qui est des éditions Delcourt Tonkam, et c'est un Seinen. Et pour terminer, je lirai le tome 1 de Freak Café des éditions Akata dans leur collection What the Fuck. A savoir que la série se termine ce mois-ci. Et donc, si j'aime la série, quand je te présenterai, si tu vois que j'ai aimé, je te présenterai plus tard, je pense plus en novembre, mon avis sur l'intégralité. La série est terminée en 7 tomes, si je dis pas de bêtises. Voilà. A savoir qu'au moment en fait où je filme cette intro, je n'ai lu que celui-ci. Et cela, c'est pour demain pour moi. Donc on attaque avec mon avis sur 3 Yakuza pour une otaku. Le manga m'intéressait plutôt pas mal, même si on était sur un sujet quand même assez déjà vu, assez cliché. J'avais quand même envie de donner sa chance à cette œuvre, parce que le côté Yakuza et otaku, je trouvais ça plutôt drôle. En fait, on suit les aventures d'une jeune fille qui est une otaku, qui adore jouer aux jeux vidéo sur portable, et elle adore jouer aux jeux vidéo où ça parle de Yakuza. Et un jour, en fait, en rentrant chez elle, si je dis pas de bêtises, en tout cas en se baladant dans la rue, elle voit une voiture qui a failli écraser un petit papy, elle s'en mêle, elle se prend un petit peu pour un des personnages de son jeu vidéo en parlant justement au mec qui a failli écraser le papy, parce que justement c'est un Yakuza et elle va lui balancer « La mort ne me fait pas peur !» comme ses personnages. Et c'est là que le papy en fait va complètement craquer sur cette petite et il se dit « Ok ». Et donc il faut savoir que le papy qui a failli se faire écraser et le gars dans la voiture, ce sont deux Yakuza mais deux clans rivaux. Et en fait le grand-père va du coup demander à la jeune fille de bien vouloir être l'épouse en fait d'un de ses petits-fils. Il a 3 petits-fils, un intellectuel, un plus sportif et l'autre je sais plus trop son atout. Mais toujours est-il, les 3 ont 3 atouts complètement différents, 3 physiques. Enfin, 2 qui ont quand même à peu près le même physique, qui a été un petit peu compliqué aussi des fois pour les reconnaître. Et pareil, il y a 2 autres personnages qui se ressemblent. C'était un peu chaud. Toujours est-il, donc voilà, les grands lits. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Après, j'ai eu du mal un petit peu parce que c'est un peu le genre de titre qui est un peu niais, qui est aussi un peu cliché, déjà vu, réchauffé. Et ce que j'ai du mal aussi, c'est avec les personnages dans les mangas, avec des scènes en fait surjouées. Déjà que j'aime pas trop, par exemple là, la mort ne me fait pas peur. Encore, tu peux rigoler parce que tu te dis, elle se prend pour son personnage. Elle incarne le personnage pour essayer de ne pas avoir peur justement de ce qui va se passer. Mais voilà, ce genre de scène-là, moi, ultra... Bon d'accord, elle est choquée parce que forcément, il est en train de demander d'épouser un de ses petits-fils. Mais il y a des scènes comme ça où c'est ultra travaillé au niveau de l'expression et du choquage, etc. Que c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Après, il y a des scènes, franchement, j'ai pas compris non plus leur intérêt. Bon, on est sur un shoujo, d'accord, mais voilà, la scène où la fille, elle se fait piéger, un des Yakuza lui dit « c'est par là les bains » et que c'est des bains, en fait, où elle va tomber, du coup, sur les mecs. Scène classique, un des gars va vouloir plus ou moins la rattraper parce qu'elle s'enfuit en courant, la serviette va tomber, oh là là, la scène cliché, elle va lui en coller une, enfin elle le frappe. Voilà tout ce que j'en pense de ce genre de scène qui ne sert strictement à rien, qui n'apporte rien au manga, à part une petite scène drôle et encore. Voilà, qui ça fait encore rire en fait ce genre de scène. Je critique pas. Si tu aimes encore ce genre de scène alors qu'on est en 2021, je ne critique pas. Mais voilà, la scène qui sert strictement à rien, etc. Après, bon,
En Corse, c'est plutôt sympa, mais tu vas voir encore le cliché du personnage qui est un petit peu fragile au niveau de la santé sur les trois, blablabla. La fille qui, c'est pas du spoil, hein, parce que c'est vraiment sur les premières pages, va casser une urne, donc forcément elle est obligée de rester, parce que tu comprends, l'urne valait 30 millions de yens. Elle a pas ses sous là, donc forcément elle est obligée de rester, et donc elle est obligée de devoir épouser un des trois garçons. Voilà. Bref, donc du coup, je me suis fait royalement chier. J'ai fini le volume en entier pour pouvoir mieux le critiquer, pour pouvoir mieux donner un avis. Mais honnêtement, je me suis fait chier dès la moitié du bouquin. Donc, très clairement, non, je n'irai pas plus loin. On continue donc la vidéo et j'ai lu donc les trois autres titres. On va attaquer donc, comme je l'avais dit, avec Insomniac. Insomniac est donc un manga, je le redis, de l'auteur qui a écrit La fille du temple au chat. Donc, le lien sera en i et en barre d'infos. Et donc nous sommes sur un seinen au prix de 7,99€. Ouais, voilà, j'ai l'étiquette donc je le dis. Pour ce qui est de ce manga, on suit les aventures de Genta, qui est le garçon, est un lycéen souffrant d'insomnie chronique. Exténué en journée, la fatigue accumulée depuis des mois le rend distant et irascible. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Voilà. Cherchant un endroit discret dans l'école où s'allonger et se reposer entre deux cours, il rencontre Isaki Magali. Souffrant du même mal, ensemble ils décident de faire de l'ancien observatoire de l'école leur cachette secrète. Ici, ils l'espèrent, ils pourront dormir un peu en journée et retrouver un semblant de vie normale. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que leur rencontre chamboule en profondeur leur de vie. Voilà. Donc en fait, on va suivre les aventures donc de Genta. Genta donc arrive pas à dormir chez lui et tout ça parce que ben voilà, il a des insomnies. Que en plus, il le dit à un moment à 3h du matin, il y a le scooter pour les pubs qui passe après le journal pardon. Après, t'as le papy d'en face qui va faire sa promenade matinale à 5h du mat. Donc en fait, il entend tous les bruits aussi qu'il y a dans la rue et il n'arrive pas à dormir et donc finalement, il dort en cours, etc. Et forcément, les gens le rejettent un petit peu parce que ben, il n'est pas dans le truc du groupe de la classe et donc bah ça crée des problèmes. Et un jour, en fait, il se dit, mais si j'allais du coup, s'il y avait un observatoire, donc un club d'astronomie à leur lycée, mais il a fermé parce qu'il y aurait eu un suicide et donc la salle elle est vide. Et il se dit qu'il va y aller parce il doit aller à l'étage en fait chercher des cartons pour leur truc, tu sais, de comment ça s'appelle? Quand ils font les portes ouvertes et qu'ils font les salles de le truc de la maison hantée, les cafés, les mecs cafés, etc. Donc, eh ben, il va aller là et il va tomber du coup sur la jeune fille du nom de Magali. Et il va trouver le lieu génial pour dormir. C'est calme, c'est reposant, c'est éloigné de tout. Et ils vont commencer donc à partager ce lieu. Au tout début, donc ça appartient officiellement à Magali, mais ils vont finir par le partager. Et ça va être plutôt sympa parce que justement, on apprend pas mal de choses sur l'insomnie, qui est quelque chose que Alors, j'en fais partie, mais étant donné que j'ai des médicaments, je n'ai plus ce problème. Mais c'est vrai que moi, la nuit, j'arrivais pas beaucoup à dormir enfant, etc. Parce que je cogitais trop dû à ce que je vivais. Maintenant, j'ai des médicaments, mais sans le médicament, je sais que je passe une nuit blanche. Donc, je les comprends un petit peu et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses dessus. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées, qui est très intéressant. Mais ça reste, c'est pas un manga qui va non plus t'apprendre des tonnes de choses. C'est le manga aussi tout à fait cool, détente, etc., sans prise de tête. C'est le manga parfait parce que c'est vraiment un tranche de vie sur l'insomnie pure et dure, je trouve, pour l'instant. C'est agréable, franchement j'aime bien. Après, il faut savoir que j'ai aimé la façon dont l'auteur avait écrit La fille du temple au chat. C'est fait un peu de la même façon, donc assez simple, assez cool. C'est le genre de lecture parfaite aussi pour l'été. Je sais, on est au moment où je filme le 2 septembre, toi tu vois ça fin septembre, donc c'est encore mieux. Mais c'est vrai, c'est le genre de lecture par exemple qui sera parfaite pour l'été prochain. En plus, d'ici l'été prochain, il y aura eu 6 volumes sûrement de sortie. Ah, peut-être pas parce que c'est soleil, c'est tous les 3 mois. Mais bon. Voilà quoi, c'est le manga vraiment parfait, agréable, etc. Et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la façon dont c'est développé, j'ai adoré la façon dont c'est abordé. On n'y est pas encore, mais on leur a annoncé à leur classe, parce qu'ils sont tous les deux dans la même classe,
qu'ils vont avoir une sortie scolaire sur 3 jours, donc forcément ça va être encore plus compliqué pour eux, et ils essayent en plus de le cacher, de ne pas le dire à leurs camarades de classe qu'ils ont ce problème, donc forcément c'est un petit peu délicat et autre, et donc j'ai vraiment aimé ce premier volume. Ensuite, on va continuer, donc comme je l'avais dit, avec le manga L'Empereur du Japon. Alors, honnêtement, je n'ai pas totalement fini le manga au moment où je filme, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Il me manque le dernier chapitre à lire, donc pas grand-chose, hein, très clairement. Pour ce qui est de ce manga, alors, il faut savoir déjà que, bon, il y a beaucoup de dessins, le dessin est très travaillé, et je comprends du coup que l'auteur mette autant de temps à sortir ses volumes. Alors nous en France en plus on roule au ralenti parce qu'on est chez Delcourt Tonkam et que Delcourt Tonkam roule vraiment au ralenti, surtout pour des titres comme ça quand ils voient qu'il n'y a pas trop de public, alors là c'est encore plus lent pour les sortir, c'est le truc désagréable possible. Et donc en fait l'auteur au Japon met aussi pas mal de temps parce que j'ai regardé sur internet les dates de sortie des 8 volumes, parce que si je dis pas de bêtises, eux ils sont à 8 et nous on va avoir le 4 en janvier. Ouais. Donc, en ce qui concerne ce manga, on va revenir en arrière, on va revenir à l'époque, alors, que je dise pas de bêtises au niveau des noms, voilà, hop. Donc, au début où on arrive, on est à l'ère Meiji. En fait, les ères comme ça, ère Meiji, l'ère Taisho et tout ça, ce sont en fait les noms des empereurs. Et on dit donc l'an 4 de l'an Meiji, par exemple, ça veut dire que c'est la 4e année que l'empereur dirige ce monde. C'est un peu comme si on disait pour nous l'an 2, je pense qu'on est sur l'an 2 de l'ère Macron, voilà. C'est un peu ça. Bon, il y a une différence entre président et empereur, mais c'est pour te simplifier les choses et tu comprennes. Parce que moi, je tiens à préciser que je ne savais même pas ça. L'ère Meiji, l'ère Taisho, tout ça, je connaissais les noms des ères, quelques-unes. Après, j'ai pas non plus étudié l'histoire japonaise, hein, l'histoire du pays du Japon, mais je ne savais pas que ça sous-entendait en fait le nom de leur empereur. Et je pensais, tu sais, c'était un peu comme Moyen-Âge, c'était préhistoire, Moyen-Âge, tu vois, des trucs comme ça. Mais non, en fait, c'est donc le nom de l'empereur. Donc, on est à l'époque de l'ère Meiji, qui est le grand-père de Taisho. Et donc, en fait, on va suivre Taisho enfant. On le voit au tout début, je voudrais trouver une image de lui que tu vois. C'est vraiment un petit garçon. Alors je ne sais plus si c'est lui vraiment ou si c'est un de ses frères, mais bon, on les voit vraiment tout petits au tout début. Et on va les voir grandir, on va voir donc que Meiji, donc le grand-père, va mourir et donc il faut le nouvel empereur. Donc on commence comme ça. On a, alors il faut savoir qu'on va avoir beaucoup de langage, tu sais, un peu, comment dire, soutenu, développé, blablabla. Je voulais donc te retrouver des phrases exactes, mais je n'y arrive pas. Mais sache que c'est, voilà, un langage un petit peu, voilà, chic, tout ça, etc. Et personnellement, ce n'est pas forcément un langage que je maîtrise, parce que je n'aime pas ça. Déjà, je ne sais même pas vous voyez. En fait, quand je vous vois une personne, je vais dire « vous ». Et alors après, le reste de la phrase, je vais te tourner la conjugaison au « tu ». Voilà, je suis une bille. Et à chaque fois, en fait, moi, le problème, c'est que ce langage, c'est pas un langage, du coup, dont j'ai l'habitude. Et j'ai passé mon temps à me le switcher en quelque chose qui corresponde à ce que moi, j'utilise comme langage, même s'il y a des mots, des fois, un petit peu compliqués, on va dire ça comme ça, que j'utilise. Mais je n'ai pas de si vous si hier, ken. Tu vois, des trucs comme ça, des phrases comme ça utilisées. Bref, toujours est-il. Moi, personnellement, j'ai aimé l'idée. J'aime la façon dont c'est développé. J'aime la façon dont c'est travaillé. Par contre, je ne le continue pas. Parce qu'il y a beaucoup trop de textes. Parce que du coup, je mets une plombe à le lire. Parce qu'il y a un langage soutenu. Et donc, il faut que je me le traduise à chaque fois en version, on va dire, en le switcher en version normale. Et que c'est un petit peu lourd parce qu'il y a des passages où, au tout début, franchement, quasiment les 10 premières pages, je n'arrivais pas à comprendre à quoi servaient ces pages parce qu'on y a un gars qui venait apporter un paquet de clopes. L'autre lui dit « Non, mais je ne fume pas et je ne bois pas. » D'accord. Et tu sais pas trop pourquoi il est venu, mais il est venu et il est reparti. Bon.
Ben voilà. Donc voilà, honnêtement, j'aime l'idée. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant aussi si on est vraiment intéressé par l'histoire du Japon et qu'on a envie d'en apprendre plus du coup sur les empereurs qu'il y a eu, parce que forcément on est sur au moins deux empereurs. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça sympa. On a la vision des choses. On a aussi, on voit en fait le monde des adultes, mais aussi le monde des enfants. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on suit autant des adultes qui sont qui ont géré, qui ont aidé l'empereur du coup Meiji, mais on va voir du coup ceux qui vont les gamins, donc comme Taisho qui va devenir empereur, les deux petits frères parce qu'ils sont trois dans l'histoire, on va les voir donc grandir et devenir autre chose. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et j'ai vraiment apprécié. Après, le seul problème pour moi, c'est principalement donc qu'il y a beaucoup de textes, et donc ça, c'est plus ce genre d'œuvre que même si c'est un seinen, tu vois, c'est le genre d'œuvre que je vais préférer en film, en série, etc. parce que j'aurais pas à lire, même si ça serait forcément à mon avis en sous-titré. Mais quand tu fais un épisode de 45 minutes, tu fais un épisode de 45 minutes, même si tu as lu des sous-titres, tu as à peu près fait 45 minutes. À part si à un moment donné tu as un long sous-titre à rallonge et tu n'as pas eu le temps de lire, tu cliques sur pause. Mais en gros, en 50 minutes grand maximum, tu as fini ton épisode. Que là, moi par exemple, un manga comme ça, d'habitude, c'est une heure et demie environ. Même si maintenant, je crois que je fais un petit peu moins. Mais là, j'ai mis 2h30. Donc, c'est pas le genre de manga du coup que je garde parce que je sais très bien que ça va me ralentir dans mes lectures. Et donc, voilà. Donc, voilà. Mais sinon, vraiment très 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 intéressant. Et pour ceux qui pourraient s'intéresser à l'époque du Japon, etc. Donc, les empereurs, je pense que c'est vraiment le manga qui est génial. Donc on termine cette vidéo avec donc Fruit Café. Je rappelle que Fruit Café est âge conseillé aux 16 ans et plus, j'y tiens. Et donc c'est un seinen dans la collection What the Fuck de Hakata. Pour ce qui est du résumé, bienvenue au Café Statis, un établissement unique en son genre. Car quelle que soit votre paraphilie, c'est-à-dire en gros... Alors je te mets la définition exacte, mais moi pour moi ça veut dire du coup votre fétichisme. Hiro Sen Nishi, donc, qui est le barman, son gérant donc, écoutera vos confessions sans jamais vous juger. Il se peut même qu'au détour d'une conversation, il vous serve une infusion sur mesure, rien que pour vous. Découvrez dans Fruit Café le portrait de paraphilie ordinaire dont l'attirance ou la pratique sexuelle diffère des actes considérés comme normaux. Voilà. Et il y a marqué une infusion unique sur mesure, sur place ou emporté, n'hésitez pas. Entrée café citrus. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur le machin. Mais voilà. Et donc, voilà la couverture. Donc on attaque avec la première histoire où on suit les aventures d'un jeune homme qui est donc ménophilie. La ménophilie, qu'est-ce que c'est? C'est quand en fait on est attiré par le sang, mais pas par le sang de nos veines, mais plutôt le sang des règles, donc le sang des femmes. Parce que justement, c'est le sang qui permet de donner la vie, enfin voilà, tout, tu vois le genre. Et donc, en fait, on va découvrir donc cet homme qui ne peut pas s'empêcher de sentir, lécher, etc., les serviettes hygiéniques de sa petite copine, mais bien entendu, il a très peur de lui avouer et que ça la dégoûte, forcément. Donc on va découvrir ça, on va découvrir son envers du décor et donc lui son fétichisme. J'espère que c'est bien le mot qu'il faut utiliser, sinon je m'en excuse. Toujours est-il, donc on va suivre cette première aventure. Pour ce qui est de la deuxième histoire, on va suivre en fait une fille qui aime faire du mal pendant l'acte sexuel, donc le sadique, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, ben, à chaque fois qu'elle tombe sur un garçon, elle lui explique ses préférences sexuelles, donc qu'elle a envie donc de faire du mal pendant l'action, etc., qu'elle a envie de le frapper, de l'étrangler, de voir plus. Et en fait, à chaque fois, le mec fuit et donc elle ne l'a jamais fait. Et en fait, donc Hiro, donc le patron du, enfin le, oui, le gérant du café, va lui, en fait, va rencontrer un garçon qui est masochiste. Donc lui, il aime justement se faire frapper, se faire torturer, se faire étrangler, etc. Et donc ça va permettre du coup à ces deux personnages de trouver leur moitié. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa justement, que le manga nous montre aussi qu'on peut trouver quelqu'un qui est du même délire que nous et donc en former un couple. Pour ce qui est de la troisième histoire, on va être donc sur l'aventure. En fait, c'est du un chapitre, une histoire, mais les histoires aussi peuvent se suivre. On va revoir des fois des personnages qu'on a vus dans le chapitre d'avant, etc. Donc là, on a quatre histoires.
Pour ce qui est de la troisième histoire, on va suivre ce couple-là. En fait, c'est un homme, sa femme est enceinte. Et en fait, lui, c'est les femmes enceintes justement qui l'excitent. Mais attention, pas toutes les femmes enceintes, seulement la sienne. Parce que, bon, on peut... Là aussi, il y a un nom, hein, mais j'ai pas retenu, j'ai pas pensé à lister. Je le ferai quand je ferai la vidéo entière, promis. Lui, il a le fétichisme des femmes enceintes, sauf qu'on peut avoir le fétichisme de toutes les femmes enceintes, mais lui, il a le fétichisme uniquement de sa femme, parce que c'est l'idée aussi que ça soit son enfant, sa famille, qui est à l'intérieur du corps de sa femme, et c'est ça qui l'excite. Seulement, il ne savait pas, en fait, qu'on pouvait le faire pendant... Apparemment, si je crois qu'il ne savait pas qu'on pouvait le faire, et c'est Hiro qui va lui dire, mais vous pouvez le faire en faisant attention à certaines positions qui sont plus pratiques pour madame, où madame sera plus à l'aise aussi pour le faire que d'autres positions. Et donc, il veut le faire avec sa femme, seulement, mince, le soir où ils veulent le faire, elle l'accouche. Et donc là est le problème. Forcément, il sait très bien que son envie, ses désirs vont être plus bas. Alors, apparemment, il ressent quand même du désir pour sa femme en dehors. Mais il sera plus bas que quand elle est enceinte. Donc, on va nous montrer justement la technique qu'il va trouver pour parer à ce problème. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Pour ce qui est de la dernière histoire, on suit les aventures d'un gars, en fait, qui, lui, n'arrive pas à aimer les humains. Mais il aime les femmes poupées. Donc, j'allais dire poupées gonflables. Non, mais t'as compris, quoi, les espèces... Si on sait qu'au Japon, c'est plus développé. Donc, une espèce de corps sans vie. Voilà, de petites poupées. Et qu'il a pu en plus habiller, etc. Et lui, donc, il est excité par ça, par ses figurines. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Mais voilà. Et donc, on va nous développer son fétichisme-là de préférer, du coup, des non-humains. À dire ça comme ça, que des humains. Et donc voilà. Et après, on va terminer par une petite histoire. Je ne te dis pas plus parce que ça, je préfère le développer plus, ce personnage et ce petit chapitre, avec mon avis sur l'intégralité. Pour ce qui est donc du manga, comme tu comprends, donc je t'ai bien fait comprendre, hein, Insomnia, je continue, Empereur du Japon, j'abandonne. Et pour Fruit Café, je continue. J'ai déjà commandé donc le tome 2, donc moi au moment où je filme on est le 2 septembre, donc je reçois ça, alors moi on est jeudi et je reçois ça, le tome 2 vendredi, voilà. Et donc je te ferai en fin de mois mon avis sur l'intégralité, mais en tout cas pour ce qui est de ce premier tome, j'avais un petit peu peur, même si j'avais déjà lu l'extrait, donc la première histoire, j'avais plutôt bien aimé, mais après comme c'est what the fuck, j'avais peur de ne pas totalement accrocher, et finalement je trouve ça très intéressant, parce que justement c'est une espèce de culture, une culture peut-être différente, d'apprendre des choses comme ça, de fétichisme et d'envie charnelle différente de la norme, mais moi je trouve ça très intéressant justement de savoir toutes les possibilités qui existent et toutes ces préférences en fait que les gens peuvent avoir, et donc je trouve ça plutôt cool. Donc en ce qui concerne cette vidéo, on est quand même sur un avis assez mitigé, 4 titres, 2 que j'ai abandonnés et 2 que j'ai gardés, mais c'est toujours plutôt pas mal. Je trouve que ça, déjà on est sur un équilibre et on n'est pas sur un avis plus négatif que positif. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire toi lequel de ces 4 titres t'as le plus tenté, celui qui t'intéresse peut-être le moins. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Donc, mes deux précédentes vidéos, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, mon compte Utip, mes autres réseaux sociaux, des liens vers des codes promo et je pense que je te mettrai aussi des liens vers les sites pour avoir plus d'informations sur les mangas. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!